بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre glorifie Dieu. Il est le puissant, le sage. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ نَارٌ. C'est lui qui a expulsé de leur maison, pour leur premier exil, ceux des gens du livre qui ne croyaient pas. Vous ne pensiez pas qu'ils partiraient, tandis qu'ils s'imaginaient que leur forteresse les protégerait contre Dieu. Mais Dieu les atteignit par là où ils ne s'y attendaient point, et jeta la terreur dans leur cœur. Au point ils démolirent leur maison de leurs propres mains, autant que des mains des croyants. Tirez-en une leçon, ô vous qui avez des yeux pour voir. Si Dieu n'avait pas décrété leur exil, il les aurait certainement châtiés en ce monde, mais dans l'au-delà, ils subiront le supplice du feu. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله وَمَنْ يُشَاقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ. وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Il en sera ainsi parce qu'ils se sont dressés contre Dieu et son messager, et quiconque se dresse contre Dieu, Dieu sera envers lui très sévère en représailles. Tout palmier que vous avez coupé ou laissé intact, cela s'est fait avec la permission de Dieu pour humilier les pervers. Et ce que Dieu a accordé à son messager comme butin provenant de leurs biens, vous n'avez engagé ni chevaux, ni chameaux pour vous en emparer, mais Dieu donne à ses messagers l'autorité sur qui il veut, et il détient le pouvoir sur toutes choses. أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.
ce que Dieu donne à son messager comme butin provenant des biens des habitants des cités appartient à Dieu et à son messager, aux proches parents, aux orphelins, aux pauvres et aux voyageurs, afin que cela ne circule pas uniquement parmi les riches d'entre vous. Ce que le messager vous donne, prenez-le, et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en, et craignez Dieu, car Dieu est sévère en représailles. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Le butin revient également aux émigrés pauvres qui ont été expulsés de leur foyer et dépouillés de leurs biens, tandis qu'ils cherchaient la grâce de Dieu et son agrément. Portez secours à la cause de Dieu et à son messager. Ceux-là sont les véridiques. Le butin revient aussi à ceux qui étaient déjà installés à Médine et qui avaient adopté la foi, et qui aiment ceux qui émigrent vers eux et qui ne ressentent aucune jalousie pour ce qui a été octroyé à ces derniers, et qui les préfèrent à leur propre personne, bien que vivant eux-mêmes dans la pauvreté. Et quiconque est sauvegardé contre sa propre avarice sera parmi ceux qui réussiront. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Le butin revient aussi à ceux qui sont venus plus tard à Médine, en disant « Seigneur, pardonne-nous ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi, et ne mets dans nos cœurs aucune rancœur envers ceux qui ont cru avant nous. Seigneur, tu es certes compatissant et très miséricordieux. » ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. N'as-tu pas vu les hypocrites dire à leurs frères négateurs, qui font partie des gens du livre, si vous êtes expulsés, nous partirons certainement avec vous, et nous n'obéirons jamais à personne contre vous. Et si vous êtes attaqués, nous nous porterons certes à votre secours. Dieu cependant atteste que ce sont des menteurs.
S'ils sont chassés, ils ne partiront pas avec eux, et s'ils sont attaqués, ils ne se porteront pas à leur secours, et même s'ils allaient à leur secours, ils tourneraient le dos aussitôt et s'enfuiraient, alors ils ne seraient point secourus. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. La peur que vous leur inspirez est plus grande que celle que leur inspire Dieu, car ce sont des gens qui ne comprennent rien. Ils ne vous combattront que retranchés dans des cités fortifiées ou de derrière des murailles. Leur rigueur réciproque est extrême. Tu les crois réunis, mais leurs cœurs sont divisés, car ce sont des gens qui ne raisonnent point. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في Ils sont semblables à ceux qui, peu de temps avant eux, ont goûté aux terribles conséquences de leur comportement. Ils subiront eux aussi un douloureux châtiment. Ils sont semblables au diable quand il dit à l'homme : Sois mécréant. Puis une fois que l'homme est devenu mécréant, il lui dit « Je te désavoue, car je redoute Dieu, le Seigneur des mondes. » Et leur fin à tous deux sera d'être voués au feu pour y demeurer éternellement. Telle est la rétribution des injustes. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. Ô vous qui croyez, craignez Dieu, et que chaque âme considère bien ce qu'elle a avancé pour demain. Et craignez Dieu, certes, Dieu est parfaitement informé de ce que vous faites. Ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Dieu. Dieu leur a fait oublier leurs propres âmes, et ce sont eux les pervers. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أن أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Les habitants du feu et les habitants du paradis ne sauraient être égaux. Les habitants du paradis seront ceux qui connaîtront le succès. Si nous avions fait descendre ce Coran sur une montagne,
tu l'aurais vu s'humilier et se fondre sous l'effet de la crainte de Dieu. Ainsi, suggérons-nous de tels exemples aux gens afin qu'ils réfléchissent. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. C'est lui Dieu, en dehors de qui il n'y a aucune autre divinité. Le connaisseur de l'invisible et du visible, il est le tout miséricordieux, le très miséricordieux. C'est lui Dieu, en dehors de qui il n'y a aucune autre divinité, le Seigneur souverain, le saint, l'apaisant, le rassurant, le gardien, le puissant, le contraignant, le suprême. Gloire à Dieu, il est bien au-dessus de tout ce qu'il lui associe. C'est lui Dieu, le Créateur, celui qui donne un commencement à toute chose et qui en détermine la forme. Les plus bons noms lui appartiennent. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre le glorifie, et c'est lui le puissant, le sage.